Ce vendredi 7 avril, Benjamin Castaldi a annoncé quel chroniqueur allait remplacer Delphine Vespizer dans le 6 à 7 ouvert à tous les vendredis pendant son absence. Mais qui va prendre sa place? Delphine Vespizer sera absente de Touche pas à mon poste pendant plusieurs mois pour se concentrer sur un tout nouveau projet, la présentation de la télé-réalité Love Island sur W9. La chroniqueuse phare de l'émission de Cyril Hanouna a confié pendant la conférence de presse qui s'est tenue le 4 avril dernier, être très contente de rejoindre cette nouvelle aventure et d'accompagner les candidats. Ce mercredi 5 avril, l'ancienne Miss France a dit au revoir pour une durée indéterminée à ses camarades avec beaucoup d'émotion. Ça me fait beaucoup d'émotion cette dernière, même si ce n'est pas une dernière définitive, parce que vraiment, comment dire? L'ambiance, l'énergie et l'adrénaline qu'on a sur cette émission, on ne la retrouve nulle part, et quoi qu'il en soit, on ne sait pas l'avenir, a-t-elle avoué sur le plateau. Quel chroniqueur va remplacer Delphine Vespizer à la présentation du 6 à 7? Pour les besoins de Love Island, l'ex-reine de beauté va s'envoler très prochainement direction les Canaries, et ce, pour 10 semaines. Alors, pendant son absence, qui va prendre la place de Delphine Vespizer à la présentation du 6 à 7 ouvert à tous du vendredi soir? Il semble que la production lui a trouvé un remplaçant au pied levé en seulement quelques jours. Et il s'agit de Jean-Pascal Lacoste. Ce vendredi 7 avril, Benjamin Castaldi a fait cette annonce au début de l'émission 6 à 7 accompagné du chroniqueur. On a fait le nécessaire pour que ça arrive, et c'est arrivé. J'ai appris qu'il y avait une promotion pour vous, a commencé l'animateur avec enthousiasme. J'ai été promu. Oui, je suis très content, a avoué Jean-Pascal Lacoste sur le plateau. Benjamin Castaldi a alors tenu à en dire davantage sur ses nouvelles fonctions dans l'émission. Vous allez remplacer Delphine Vespizer dans le 6 à 7 ouvert à tous le vendredi, a-t-il continué sous les applaudissements du public. On a bossé. On a fait le nécessaire pour que ça arrive, et c'est arrivé. Je suis très content, a affirmé le chroniqueur. Le 6 à 7, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal. À lire aussi, c'est une envie de buzzer. Jean-Marie Bigard réagit aux propos de Vincent Lagaffe qui parlait d'une brouille entre vidéo